Et un général, c'est un homme qui a généralisé quelque chose. Je vois beaucoup de gens qui s'appellent généraux de Dieu, général de Dieu, mais qu'as-tu généralisé dans le corps du Christ? Qu'est-ce qu'on peut dire qui est devenu global parce que toi tu es intervenu? Quel message nous avons tous adopté parce que toi tu as commencé? Quelle manifestation de l'esprit tu as inauguré, façon de faire, philosophie tu as commencé que nous tous nous avons accepté comme généralisation? Qu'as-tu généralisé? Tu es général, qu'est-ce que tu as généralisé? On ne s'appelle pas général pour rien. On s'appelle général parce qu'on sait que telle chose est entrée dans tout le corps du Christ parce que c'est lui qui a généralisé cela. Qui est un général de Dieu? Un général de Dieu est un nom par lequel Dieu passe pour communiquer une nouvelle vérité au corps du Christ. Est-ce que je peux expliquer quelque chose? Expliquer. Avance, Dieu, en fait. Je commence en disant ceci. Dieu est un mystère. Et un mystère ne se connaît que par révélation dans les Écritures. Mais Dieu a décidé de ne pas se révéler directement à l'homme. Alors dans sa manière de fonctionner, Dieu a décidé de se révéler à l'homme progressivement. Et à chaque temps, puisque Dieu est dans l'éternité, il a établi le soleil, la lune et les astres pour fixer les temps et les époques. À chaque époque, Dieu donne une portion de la révélation de lui. Et lorsqu'il donne cette portion de révélation, c'est ce qu'on appelle une dispensation. En théologie, vous allez voir avec moi, pour ceux qui le savent, il existe principalement 7 dispensations. 1. Il y a la dispensation de l'innocence, dispensation de la conscience, lorsqu'ils ont conscience de leur état. Il y a la dispensation du gouvernement humain, Genèse 11 notamment, avec Noé aussi au préalable. Il y a la dispensation de la promesse avec Abraham, la dispensation de la loi, 5, la dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes, 6, royaume, la 7e dispensation. Mais dans l'église corps du Christ, dans cette dispensation de la grâce, il y a aussi comme des petites dispensations. On voit dans une dispensation Dieu se révéler et on voit des hommes être les porte-étendards de cette nouvelle révélation de Dieu, illuminée dans les Écritures et qui constitue un message. Ils en deviennent même les gardiens. C'est eux qui gardent l'héritage de ce que Dieu a fait durant une saison. Et si je cite ces hommes, prophète Ibi Joshua, oui, la plupart des prophètes de l'Afrique subsaharienne aujourd'hui, tout ce qu'il fait, qu'on le veuille ou pas, la manière de s'habiller, de faire les services prophétiques, les In Jesus Mighty Name, tout ce qu'on voit là, on a vu les prophètes Philippe Banda prendre la suite, les prophètes Makandiwa, Angel, la plupart des prophètes ont suivi le modèle de Tibi Joshua. C'est des hommes qui ont généralisé quelque chose. Si je parle de Billy Graham, que dirais-je de Rena Bonke, que dirais-je du docteur Mouchebele qui a fait un grand travail à Bruxelles en Belgique, et plusieurs ont pris l'élan. J'ai même vu un pasteur qui se vantait un peu d'avoir pour eux la plus grande église ou l'une des plus grandes églises de Bruxelles. J'ai dit, c'est parce que cet homme a travaillé. Parce qu'il a travaillé durement avec sa femme, ses enfants. Qu'aujourd'hui, vous avez la liberté d'avoir l'impact. Parce que la plupart sont sortis de là. Donc, un général de Dieu, c'est un homme par qui Dieu généralise quelque chose qu'il révèle dans une dispensation. Il est un peu comme le précurseur. Exactement. Voilà. Mama Africa. Nana lingo tu na pesa nengo tu nengka osala na TV na lingala wana ya bien. Oh ben c'est le mélanger français lingala. Le mélanger français lingala pour les téléspectateurs qui nous suivent à l'étranger. Poto kundola bien. Et maman Dani aussi, je sais que vous avez une question. Prophète Jonathan aussi. Merci beaucoup pasteur Jaco. Merci prophète Joël. Merci Mama Africa de nous avoir honorés ce soir. Ngalina tuna omotuna. Bandeko bazolanda biso, ba internautes, ba téléspectateurs, ba yebike ngana mwa si Afrika, na kutuna bongo lingala penza wa lingala. Pote prophète olimbula biso malamu mingi. Olobi malamu mingi awa. Vous nous avez expliqué tout à l'heure, vous disiez que général azali moto yo nzamba pesi mandat moko azali précurseur. C'est-à-dire qu'on soit risque ya kozwa ko memali kambu moko boye na miso abato. Prophète Joël, si on a bato nyon so biso to moni na ba photo ndenge tamboli na ba réseaux sociaux. Vi na bango. Nini oyo penze ezali soki to tali lelo. Parce que bango basi ba kolite, mingi basi ba koli, mingi basi ba tiki biso. Tokolo baba o ba kei. Alors le prophète Joël, yebisa biso na pokwa lelo.
tango tali papa na yo père que vous êtes pour porte des cieux nini openda soki ba tali na kati ya papa ya ndako ba koyeba ke oyo papa na biso oyo aza général. Qu'est-ce qui fait que qu'on dise de quelqu'un que celui-ci est un général? Est un général. Caractéristique nini penza o ezala kiko. Parce que vous avez cité tous ces gens-là. Me concernant vous-même aussi, vous êtes là. Oui, vous êtes un général. Vous êtes un général parce que si pour parler. Qu'avez-vous généralisé? Dinamoto. Hein? Lorsqu'on parle de prophétie avec beaucoup de détails. La Shekina. Prophète Joël. Namboko. Ba jeune belle balanda o lokola modèle. Toko benga ope général te. Siko nini osoki totali. Na kata mutu kotala boye. Mwana na mwana koma kotala tata na e. Chaque enfant commence à regarder son père. Avec beaucoup de profondeur pour dire que mon père c'est un général. Si aujourd'hui il partait, je peux dire ceci, je peux dire cela sur les réseaux sociaux ou partout. D'accord. Donc sans citer toutes ces personnes-là, tous ces généraux qui sont partis, parce qu'il y en a tout plein. On veut juste prendre votre propre exemple. En vous regardant, vous-même, sincèrement, en quoi est-ce qu'on pourra dire que vous êtes un général? Qu'avez-vous généralisé? Bon, encore, il faut que j'accepte si je suis un général ou pas. Bon, bisotolobi osa général. Et ton appel, Betty Maboko, donc le livre maqué, Nantambe, Nicolas, quand il m'a pas donné à ta temple. Ah. Et Tonga Mobimbelobi Iyo osa général. Est-ce que j'en suis un? Bon, je vais vraiment être honnête avec vous. Ça va peut-être choquer beaucoup de gens. Il est vrai que je sers Dieu depuis des années. Il est vrai que je serai sincère. Dieu s'est servi de moi aussi pour apporter beaucoup de choses dans cette génération. Mais j'estime que je n'ai pas encore commencé. Ok. J'estime que je n'ai pas encore commencé. Si on voit David dans la lune, il est dans la présidence. Mm-hmm. Quelle est la plus grande élévation de travailler quelque part si ce n'est pas de travailler à la présidence? Et on pouvait croire que c'était la fin de sa vie parce qu'il était au sommet. Mais ce n'était qu'une petite portion. Une partie, oui, oui. Petite portion. Toute petite portion de tout ce qu'il attendait après. Vaincre Goliath, habiter chez le roi, aller en exil, être oint sur. Il a été oint une deuxième fois sur Juda, sur Israël, conquérir d'autres royaumes, les crises qu'il a eues dans sa famille. La préparation du temple qui est d'une très grande importance dans l'histoire biblique et spirituelle, même l'histoire du judaïsme, une grande réalisation. Dieu dit non, tu ne le feras pas, ton fils le fera. Il intronise même son fils Salomon. Il est encore vivant. Donc, et puis après, il va se reposer et il meurt dans la paix en ayant laissé un fils qui a été considéré comme l'un des plus grands rois d'Israël aujourd'hui. Alors, si on regarde the big picture, la grande image de ce que David a fait ou ce que Dieu a fait avec lui, jouer à la harpe chez Saül n'était rien par rapport à tout ce qu'il avait fait. Ce sera insensé de ma part de croire que j'ai fait quelque chose d'important. Ok. C'est comme ça. C'est petit. Le nombre d'églises que j'ai implantées sont à combien? Le nombre d'âmes que j'ai gagnées sont à combien? Le nombre de pasteurs que j'ai ordonnés et relâchés sont à combien? Le nombre de missionnaires que j'ai envoyés dans la fenêtre 10-40 ou bien dans le monde musulman sont à combien? Le nombre de jets privés que j'ai envoyés pour aider les gens au Pakistan comme Kenneth Copeland sont à combien? Être populaire sur les réseaux sociaux ne veut rien dire. Je crois que ce n'est qu'une petite portion. J'ai un peu joué à la harpe, les gens ont vu un peu ce que je fais, mais ce n'est pas moi. Okay. C'est pas moi. C'est pas moi. Je fête mon anniversaire dans quelques jours. Je suis convaincu que ce sera la mort de Joël Francis et la résurrection pour une autre dispensation. Amen. Donc, le travail pour moi commence. Pour moi, le travail commence. Je ne suis pas dans ce que j'avais fait ou dans ce que Dieu avait fait. Si ça bénit les gens, gloire à Dieu, mais c'est encore rien.
Okay. Vraiment, c'est rien. Papa Emmanuel Mbie a laissé plus de 1000 églises dans le monde. J'en ai laissé combien? Donc, des fois, on peut être orgueux de la maison de Potiphar, alors que Dieu nous a appelés à être à la tête même de Potiphar qui travaille en Égypte. Donc, des fois, on devient orgueux avant, on croit qu'on a beaucoup fait avant, et pourtant, on se limite pour des petites choses, alors que les grandes choses sont là. Je donnerai peut-être cet exemple. Jésus dit à cette femme, il dit, on ne donne pas les pains des enfants aux chiens. La femme dit, ok, c'est pas grave. Mais même les chiens mangent les miettes qui tombent sous la table des enfants de la maison. Jésus a dit, ok, puisque tu es un chien, tu veux les miettes, prends les miettes. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a été guéri, mais le pain était resté sur la table. Parce que les miettes de Jésus font des miracles. Ah. Les miettes de Jésus emmènent l'étonnement. Les miettes de Jésus accomplissent des prodiges. Les miettes de Jésus donnent le travail. Les miettes de Jésus élèvent pour aller en Europe. Les miettes de Jésus donnent des millions de dollars. Non, mais tu risques d'être orgueilleux des miettes alors que le pain est sur la table. Non. Je ne veux pas les miettes. Je veux le pain. Je veux le pain. On ne va pas dire qu'on est arrivé. On n'a encore rien fait. Je ne me contenterai pas des miettes alors que le pain est sur la table. Oh, acclame bien fort. Alabasha. Quelle révélation. Le pain est encore. J'aimerais prophétiser ici. La saison du pain est arrivée. Nous ne sommes pas des chiens, nous sommes des enfants. Nous sommes des fils. Ce qui s'est fait par Yom Dichon se fera par nous. Ce qui s'est fait par Tibijon se fera par nous. Par Jacques-André Vernon se fera par nous. Que celui qui le croit dise Amen. Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain. Nous ne voulons pas les miettes, nous voulons le pain. Nous ne voulons pas nous contenter de quelques likes sur Facebook. Nous ne voulons pas nous contenter de quelques voitures d'occasion. Nous ne voulons pas nous contenter de quelques 10 000 personnes à l'église. Nous croyons qu'il y a le pain et c'est le pain que nous voulons. Merci. Pasteur Danny, allez-y. Come on, prophète. Oui, pasteur Danny. Non, dis à tes voisins, je veux le pain. Je veux le pain. Non, dis à 5 personnes, je veux le pain. 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 Pas les miettes, je veux le pain. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, prophète. Je peux rajouter? Rajoute. Je peux rajouter? Rajoute, prophète. Est-ce que celui qui veut le pain peut dire Amen très fort? Amen. Naaman qui a été guéri, Naaman a rencontré Géasi. Géasi dit, ok, tous les offrandes que tu as emmenées là, je vais les détourner. Et il est allé, il a pris l'offrande de Naaman, il a dit, je vais prendre ça, et il s'est contenté de ça. Imaginez-vous un peu, il s'est contenté de ça. Et ensuite, Élisée lui dit, il dit, mais toi, je t'ai vu, quand tu coopérais là-bas pour prendre le colis que Naaman avait emmené à me donner, que j'avais refusé, pourquoi tu as pris ça? Il dit, mon esprit te voyait quand tu prenais. Écoutez ce qu'Élisée dit. Il dit, ce n'était pas encore le temps. Lisez bien. Il dit, ce n'était pas encore le temps. Il dit, mais Géasi, Tokolia, Géasi, on va avoir plus que ça. Pourquoi tu vas chercher les petites choses et pourtant les grandes nous attendent? Et vous savez quoi? Quand la prophétie d'Élisée s'est réalisée, il avait dit demain, là-bas, Chabra. Il avait dit demain, quelque chose va se passer. Le prix des denrées alimentaires vont baisser. Quatre lépreux, ils se sont mis ensemble, ils ont dit non, on ne fait pas bien. Mais ils ont dit, on va aller là-bas, peu importe ce qui va arriver, si on doit mourir, on meurt. Quand ils arrivent, vous savez quoi? Ils trouvent des colis et des colis. La nourriture et la nourriture. Au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer de toute une contrée. Ils disent que non, on ne fait pas bien, ce jour est un jour de bonne nouvelle. Et ce qui était entré ce jour-là était bien au-delà de ce que Géasi avait pris. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois, on s'enorgueille dans un temps.
avec les petites choses, on corrompt pour les avoir. Et pourtant, Dieu nous a appelés à avoir plus que ça. Écoutez-moi. Judas gérait la caisse de Jésus. Et il a commencé à voler dans la petite caisse de Jésus. Et pourtant, dans acte 2, acte 3, acte 4, on vendait les parcelles. Qui allait gérer ça? Qui allait gérer l'argent qui entrait dans l'église quand elle prospérait dans l'église primitive? C'était Judas. Judas. Pourquoi Judas le financier, tu es orgueilleux des 100 dollars, tu voles des 1000 dollars, tu es orgueilleux d'une voiture d'occasion d'Allemagne et pourtant tu es appelé à gérer des jets, à gérer des puits de pétrole? J'aimerais parler à cette génération, il y a plus que ce qu'on voit. Oublions les miettes, il y a le pain sur la table. Amen, amen, amen. Ah, Pasteur Danny. C'est tellement fort. Mais prophète, moi j'ai une question. Je vous en prie. Lorsque ces généraux meurent, est-ce qu'avant de partir, est-ce qu'ils préparent la relève? Quelle est la relève de ces généraux? Est-ce leur enfant biologique? Ou c'est les enfants spirituels? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de combats à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Un général qui part, très vite, ce sont les enfants biologiques qui prennent la relève. Enfin, dites-nous. Mon souci n'est pas que les généraux aient préparé ou pas. Mon souci serait peut-être moi, à mon niveau, est-ce que je vais préparer les miens? Je ne suis pas à leur place. Je ne connais pas les gens qu'ils forment. Je ne suis pas dans leur cercle. Donc, je ne sais pas trop me prononcer sur le sujet. Mais ce que j'aimerais dire d'abord, numéro un, ce qu'un général laisse au-delà des parcelles et des terrains et de l'argent, au-delà d'un poste et d'un positionnement, tout général de Dieu est caractérisé par 7 ou 8 choses. Première chose qu'on appelle, c'est le manteau. Ok. Et dans la révélation du manteau, le manteau n'est pas toujours destiné à celui que le général qui fut l'objet du choix du général. La réception du manteau ne dépend pas de celui qui était près du général. Ok, ok. Ouais. Parce que Élie avait beaucoup de prophètes. Mais ce n'est pas tout le monde qui a eu le manteau. En d'autres termes, ça ne dépend pas d'être prêt. Benny Hinn n'était pas proche de Catherine Kuhlmann. Il n'avait jamais rencontré Catherine Kuhlmann. Je ne sais pas, Catherine Kuhlmann avait préparé qui? Lui n'était pas là. Il chantait la chorale. Mais quand il a vu Catherine Kuhlmann dans le tourbillon, il a senti que cette femme avait quelque chose à laisser. Il a reçu le manteau et son ministère a changé. Donc, ce que je peux déjà dire, je ne sais pas s'ils ont préparé ou pas. Je ne sais pas, je ne suis pas le bel exemple que j'ai et je l'encourage. C'est ce qui s'est passé avec le pasteur Moïse Mbié. Mais ce que j'aimerais dire ici, une chose importante, ça ne dépend pas de la proximité avec le général, mais de la sensibilité lors du départ. Okay. Ok. La préparation pour moi, ce n'est pas ce que le général a fait par rapport à quelqu'un, mais c'est par rapport à quelqu'un qui est à côté, qui a vu que le général se prépare à partir et lui se prépare à recevoir. Donc ce que j'aimerais dire ici, dans cette génération, ce n'est pas d'abord de se dire, est-ce que les pères préparent les leurs? Non, c'est de se poser la question, est-ce que je suis prêt à recevoir ce que le père va laisser? Mais comment je saurais aussi, je vous prends au mot, comment je saurais que le père veut partir? Ah! Ah! Numéro 1. Tous les fils des prophètes savaient qu'Élie partait. Ils savaient. En tout cas, Dieu parle toujours quand des hommes de Dieu doivent commencer à mourir. On a eu des prophéties cette année, n'est-ce pas? L'année passée, on a essayé des prophéties. Dans le monde plan global, Dieu dit il va prendre beaucoup de ses serviteurs. Des hommes importants vont partir. Nous le savons tous, mais peut-être pas forcément lequel partira. Mais on peut sentir qu'il y a un mouvement qui se passe ici. On peut l'entendre par les paroles du père, du général. On peut le voir par les propos qu'il sort. Je ne prends l'exemple que de l'apôtre Mbié qui disait déjà ouvertement. On m'a même raconté l'histoire quand j'étais allé visiter le pasteur actuel. Et il m'a dit, papa nous avait déjà dit, avait dit à maman à 70, qu'à 73 ans il allait mourir. Donc vous voyez, il y a toujours, les hommes de Dieu lancent des signaux comme ça. Il n'y a aucun homme de Dieu qui est mort et on dit, on ne savait pas, ça n'existe pas. Quand Dieu prend un oint, il y a toujours des signes qui se donnent. Mais Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, c'est nous qui ne prenons pas garde.
Mais il y a quelque chose que cette génération doit savoir. Ce n'est pas de reprocher les pères. Est-ce que vous préparez vos fils? Ce pasteur-là, s'il meurt aujourd'hui, l'église va vivre, va survivre, va-t-elle encore survivre? Ce n'est pas d'abord ça le problème. Mais est-ce que toi, tu es capable de sentir dans l'atmosphère qu'il y a quelque chose qui se passe, de te positionner, même si tu n'es pas dans le même pays que lui, tu peux recevoir en esprit ce qu'il va laisser dans l'atmosphère. Ok. J'aimerais ici profiter pour dire c'est quoi un manteau. Oui. Est-ce que je peux aller? Allez-y, avance. Le manteau, c'est l'onction, mais toute onction n'est pas un manteau. Tout manteau est une onction, mais toute onction n'est pas un manteau. Parce que toute onction n'est pas transférable. Ah. Le manteau, c'est l'onction, mais c'est une onction qui est devenue transférable d'une génération à une autre. C'est quoi un manteau? Un manteau, c'est le revêtement d'un général de Dieu qui s'est développé toute sa vie. Personne ne va dire, il commence le ministère aujourd'hui, il est un manteau. Ça n'existe pas. Un manteau se développe avec un homme tout au long de sa vie. Et à une saison vers la fin de sa vie, cette onction atteint son paroxysme au niveau où, dans cette onction, il y a son mandat. Dans cette onction, il y a son message. Dans cette onction, il y a les instructions de son onction. Dans cette onction, il y a la grâce, il y a l'autorité qu'il y a sur lui. Ce n'est plus seulement l'onction, mais ça devient un revêtement qui peut aller d'une génération à une autre. Kiss ou Akilome a reçu son manteau de Benny Hinn. Benny Hinn a reçu son manteau de Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman a reçu son manteau de Aimée Simple McPherson. Elle avait même étudié chez elle. C'est elle qui a commencé la structure Four Square Church. Je salue d'ailleurs le bishop Massengu de Kigali, qui est l'un des responsables. Il paraît même que l'église Salem de Lemba est aussi dans Four Square. C'est elle qui a commencé l'église de Christ de quatre angles. L'église, le Jésus qui sauve, qui guérit, qui baptise de l'esprit et qui revient. À Los Angeles, elle a bâti une femme de miracle. Et elle a reçu le manteau de qui? De Maria Woodruff Etter, vers les fin 1800, avant les années 1900. Maria Woodruff Etter s'habillait en blanc-blanc. Aimée Simple McPherson en blanc-blanc. Catherine Kuhlman en blanc-blanc. Benny Hinn en blanc-blanc. Achevé Kankenza en blanc-blanc. Voilà, si c'est pour continuer. Achevé Kankenza en blanc-blanc. C'est au fait une onction qui atteint un niveau où ça peut être transféré, non pas seulement d'un homme à un autre, mais d'une génération à une autre. L'impactation, ce n'est pas le recevoir le manteau. Frapper à quelqu'un le manteau, ce n'est pas le donner le manteau, ça n'existe pas. Tu appelles un pasteur de la foule, tu dis reçois le manteau. Non, ça c'est pas le manteau. C'est quoi recevoir le manteau? Recevoir le manteau, c'est recevoir le ministère de quelqu'un. C'est ça en fait. Oui. Carrément. C'est continuer, malgré sa particularité, c'est vraiment continuer la même lignée de cette personne, mais dans son époque et dans son temps. Faites bien la liaison et regardez, vous allez voir que le manteau passe d'une génération à une autre. Le manteau peut être hérité par une ou plusieurs personnes. Ça, c'est aussi important. Papa Dinabala a libéré son manteau. Mama Toumachamba l'a reçu. L'apôtre Mutomuka Lombo l'a reçu. Plusieurs autres ont reçu ce manteau. Le manteau d'un homme de Dieu qui est un général ne part pas avec lui dans la gloire. Ne part pas avec lui dans la gloire. C'est quelque chose que Dieu le donne et qui se relâche dans l'atmosphère. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Avance, prophète. Un général de Dieu est un vase communicant. Oui. Comme en physique. Comme en physique. Vous voyez l'image? C'est un vase avec plusieurs vases en bas qui reçoivent du vase principal de l'eau. Sur le plan équitable. Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. J'aimerais choquer l'église ici. Je ne sais pas, avance, je sais pas prophète. Si vous êtes prêt. Avance. Je ne sais pas si vous êtes prêt pour ça. On est prêt. On est venu pour ça, papa. Ça va vous choquer peut-être. Depuis Actes chapitre 2, Jésus avait l'esprit sans mesure. Depuis que le Saint-Esprit est venu officiellement sur la terre dans Actes 2, les hommes de Dieu ne reçoivent plus l'onction de manière verticale, mais horizontale. Ah ah. Expliquez-nous ça. Prophète. Ah. Depuis que le Saint-Esprit est officiellement sur la terre, il n'y a plus d'onction au ciel. Ah.
Non, là, avance, prophète. La merveilleuse personne du Saint-Esprit est sur la terre officiellement dans la dispensation de la grâce de l'Église. Lui-même qui gère l'onction, les dons, les charismes, le ministère des anges, il n'y a rien à attendre au ciel. Tout ce que le ciel a pour nous est dans le Saint-Esprit. Est-ce que je peux accentuer? Accentue. L'onction ne vient plus du ciel. Depuis acte 2, il n'y a plus d'onction au ciel. L'onction passe d'un vase communicant à d'autres vases. Vases parmi lesquels il y a un ou deux qui deviennent aussi des vases communicants, qui donnent aussi aux autres. Écoutez, acte 2, 120 reçoivent l'esprit. Paul vient après, il a un appel spécial. Paul, malgré qu'il a vu Jésus, il devait aller chez Anania. Oui. C'est Anania qui a prié pour lui. Il a été rempli de l'esprit pour aller plus tard, après Damas, aller dans le désert pendant plus de 10 ans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi ça? Parce que Dieu est un Dieu générationnel. Oh Dieu, donne-moi. Ça n'existe pas. William Ayom Branham est un vase communicant. Il a transmis cette onction à Tel Osborne. Kadabasha. Tel Osborne a vu Jésus aussi dans sa chambre autant qu'il avait vu Branham dans une réunion. Il a reçu quelque chose. Osborne est venu en Afrique. Osborne a impacté Benson Idahosa dans l'Afrique de l'Ouest. Osborne au Kenya a impacté Adi Nabala au Kenya. Vous voyez comment ça se passe? Osborne a impacté Robert Kayanja en Ouganda. Prophète, nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Est-ce que je peux finir ce que je dis, s'il vous plaît? Finissez donc, prophète. Voilà. Et Idahosa a impacté David Oedepo, a impacté Enoch Kadeboe, a impacté Johnson Suleiman et tous les autres qui viennent, Christ Aquino, mais tous ont été impactés par cette voie-là. Pourquoi Dieu fonctionne comme ça? Il n'y a pas d'onction sur le plan vertical. Il n'y a de onction que sur le plan horizontal. Dieu passe par les hommes pour transférer ses onctions aux hommes. Pendant plusieurs années, j'ai opéré avec l'onction que j'ai eue en 1998 par l'évangéliste qui apporte aujourd'hui Freddy Decoster au stade des martyrs. Et je sais que ce n'est pas du ciel. J'ai vu Jésus plusieurs fois. J'ai vu des anges. Mais je sais que l'onction que j'ai eue là, je l'ai eue de quelqu'un. De qui as-tu eu l'onction? Le manteau ne vient pas du ciel. Le manteau vient des hommes qui sont des généraux sous lesquels on se met et dont on reçoit les manteaux. Prophète Joël Francis Tatou Oyano Libiso Malam, je me mets à la disposition d'un enfant de Dieu, de quelqu'un qui veut bien recevoir le manteau. Il a besoin de l'onction. Alors disposition nini à quoi que soit. Quelle disposition à prendre en tant qu'enfant de Dieu pour que je puisse recevoir le manteau et l'onction et bien le recevoir aussi pour fonctionner plus que même le général qui m'a donné le manteau. Quelle disposition que je peux avoir ce soir? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre. Il a besoin, je ne sais pas. Je sens que peut-être quelqu'un va prendre le manteau ce soir. J'aime cette question, Hein? Je sens que quelqu'un peut prendre comment le manteau ce soir. Comment recevoir? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? La disposition, oui. Ah! Donc, il y a comment recevoir, comment bien appliquer ce que j'ai reçu, pour être même plus que celui qui m'a cédé le manteau. Ok, je suis à Kigali en 2014, chez le bishop Fidèle Massengou, et je prends part à une conférence que je tiens à l'église, de Four Square. Une soirée, je vais dans la salle de bain, et j'entends la voix de Dieu sortir comme du mur, et me parler audiblement. Dieu m'a dit, je te donne l'esprit d'adoption. Je te donne l'esprit d'adoption. Esprit d'adoption, ça veut dire quoi? Esprit d'adoption. Je n'ai pas compris. Je suis rentré ici à Kinshasa, on avait un programme qu'on appelait Apostolic Shift. Programme qui a eu la faveur de recevoir une bonne partie de nos pères qui étaient là. Papa Jean Bosco était là, Génération Kafuta était là, Apôtre Mutombo était là, Bishop Albert était là, plusieurs pères étaient là. Et devant tout le monde, pour ceux qui étaient là, ils peuvent se rappeler, le Seigneur m'a dit,
de demander pardon à ses pères au nom de tous ceux de ma génération et à tous les pères que eux représentent, pardon. Pardon parce que nous les avons critiqués. Pardon parce que nous les avons attaqués. Pardon parce que nous les avons manqué du respect et beaucoup d'autres choses. Ceux qui peuvent être là peuvent se rappeler. Papa Jean Bosco est venu, il a pris le micro. J'ai pleuré et Papa Jean Bosco a commencé à déclarer le pardon sur notre génération. Et ce jour-là, ceux qui peuvent se rappeler le savent, Dieu m'a parlé ouvertement, il m'a dit, c'est ici l'esprit d'adoption. Alors on peut se poser la question, quand Dieu parle au prophète, il faut lire les Écritures. Nous aussi, nous avons reçu l'esprit d'adoption qui nous pousse à dire Abba, Père. L'esprit d'adoption, c'est donc l'esprit qui permet à un homme de se reconnaître comme un fils devant un père. Et cet esprit, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Élie avait beaucoup de prophètes autour de lui, mais tous n'avaient pas l'esprit d'adoption. Comment recevoir le manteau d'Élie? Il faut avoir l'esprit d'adoption. Là où tous l'ont appelé maître, il s'est positionné sous le maître, il a regardé. Et vous savez, il y avait un tourbillon. Hein? Quand il y a tourbillon, vous le savez, des fois, en pleine rue, vous allez voir un tourbillon, il y a la poussière. Donc, regardez en ouvrant bien les yeux, parce qu'on avait dit, si tu me regardes, tu me vois quand je monte. Donc, il devait garder les yeux ouverts. Et quand il y a les tourbillons, il y a la poussière. Est-ce que tu es un fils spirituel qui est capable de continuer à regarder ton père quand la poussière est autour de lui? Est-ce que tu es capable de regarder ton père spirituel quand il y a des tempêtes autour de son ministère? C'est là que l'on reconnaît celui qui a reçu l'esprit et qui est prêt à recevoir le manteau. Le manteau n'est pas une histoire de venir au culte, homme de l'édoma l'onction, je reçois. Non, le manteau est une conséquence d'un travail qui commence d'abord au niveau de il y a Gilgal, il y a Bethel, il y a le Jourdain, il y a toutes ces voies jusqu'à arriver là où on regarde le maître, on l'appelle plus maître, on dit mon père, mon père. Pour répondre à votre question, comment une génération reçoit le manteau des pères? C'est en recevant l'esprit d'adoption. Tant que cette génération ne regarderont pas les pères d'en haut, ils ne recevront rien. L'huile commence à la tête, va à la barbe jusqu'au bord des vêtements. Notre génération, la tête et le menton sont au même niveau. Les vieux là, le papa là, ah, ils partent, et ceci, et cela. C'est pour cela que les gens ne reçoivent pas la grâce de Dieu. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit qui ramène les cœurs des fils vers les pères et des pères vers le fils. On reçoit un manteau lorsqu'on s'est appelé un maître père. Est-ce que nous considérons nos aînés comme nos pères? Bah, vieux Wana, les vieux là, ils ont divorcé, ils sont finis, ils sont fatigués, ils ont touché, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Un père est sacré. Ah. Un chef est sacré. Le chef d'État est sacré. Le père de famille est sacré. Le père spirituel, on ne touche pas ses personnalités. Peu importe ce qui se passe chez eux, on ne touche pas. Tout le monde n'a pas la même valeur stratégique. Le respect du sacré. Lionel Messi n'est pas payé comme tout le monde à PSG. Cristiano Ronaldo n'est pas payé comme tout le monde. Quand il y a attentat à la bombe, on ne sauve pas tout le monde, on sauve le roi. Tout le monde n'est pas tout le monde dans l'église. Il y a des hommes qui ont une valeur stratégique plus importante que tous les autres. Ça, c'est important. C'est important. Est-ce qu'au Congo, on respecte nos pères? On ne peut recevoir leur manteau que si on respecte les pères. Voilà pourquoi je bénis le Saint-Esprit qui m'a préservé de ces choses. Hier, je quittais le bureau ici. J'ai vu dans mon téléphone, le numéro est sorti, My Superman. Et c'était Papa Jean Bosco. Ah. Ouais. Vous l'appelez My Superman. Ouais. Il m'a dit, oh papa, ça va? Il dit, oui mon fils, tu vas bien? Je dis, il y a un problème. Il dit, non, j'ai appelé pour prendre tes nouvelles. Il dit, j'ai subi ton message sur la miséricorde. Il dit, mais toi, tu es intelligent. Les choses que tu racontes là-bas. Il dit, bon, bonne nuit, je vais dormir. Je voulais juste t'entendre et te bénir. J'ai dit, waouh.
Et c'est comme ça que je vis avec les pères. Je ne les fréquente pas tous les jours. Je ne suis pas leur fils spirituel direct. Mais partout où les pères sont, j'ai appris à les honorer. Pourquoi? Parce que je connais ma responsabilité dans ce pays. Et le principe d'adoption. Le principe d'adoption. Même si ce n'est pas ton père spirituel, mais tu te rends adoptif. Donc tu t'identifies à un nom pour dire c'est notre père. L'apôtre Mutombo Kalombo, c'est notre père. Papa Kelani, c'est notre père. Papa Alfushima, c'est notre père. Le patriarche Roland Dalo, c'est notre père. Parce que ce sont nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Notre génération risque de rater le manteau si elle ne sait pas se connecter au père. Et je termine en disant ceci. Pourquoi il y a beaucoup de rébellions dans les églises? Pourquoi il y a beaucoup d'insultes sur les pères spirituels? Écoutez-moi, ce n'est pas un petit problème. C'est un grand problème. Quand vous ne respectez pas les pères, vous vous coupez du vase communicant. Même si vous opérez dans les dons spirituels, même si vous avez un peu de succès, vous n'irez jamais loin dans la vie. Jamais loin. Quand Satan veut te sortir d'une lignée généalogique onctionnelle, il va te couper, des fois bêtement, de la personne qui était censée te donner quelque chose d'important que tu allais emmener à la prochaine génération. Il faut que l'église comprenne que les pères partent, d'autres vont partir et il y a des manteaux qui vont être donnés. Seuls ceux qui vont regarder les pères, les regarder, malgré tout ce qu'ils ont connu, dire « Tu es notre père, tu es celui qui a commencé. » L'archebishop Coutinho Fernando était en prison. J'étais allé lui rendre visite à genoux. J'ai enlevé mes chaussures. Avec mon offrande, il m'a béni. J'ai dit, papa, Dieu me dit, cette année, vous allez sortir de prison. Et il est sorti la même année. Il n'est pas mon père spirituel, mais il est notre père. Général Sonny Kafuta, je l'ai rencontré dernièrement lors de à l'hôtel Pullman. Il m'a vu ma tenue. Il m'a dit quelque chose prophétiquement. Ça m'a bougé la tête. Bon, je garde ça pour moi-même. Il m'a salué. Tu es là. Il m'a dit quelque chose. J'ai tremblé. Et il m'a laissé les parties. C'est notre père. Tous ces hommes qui ont fait un grand travail restent et sont. Le pasteur Réussite Mandako, qui est en pleine convention actuellement à Kolwezi, c'est notre père. Il est l'un des hommes qui a préservé le mouvement prophétique actuel au Congo. Et est-ce que cette génération peut regarder nos pères et dire, malgré tout, vous êtes notre père? Et on dit, notre père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom d'un père se sanctifie. On ne mélange pas le père avec tout le monde et avec n'importe quoi. On doit sanctifier le père. En fait, Joël Francis, dans la même lignée, papa Jaco, si vous permettez, vie yaba généraux, ils allaient exposer plus nanini. Parce que ceux qui l'élo critique et koti, mabe et koti, tope tope ngango malédiction et kota na bana, pour bako critiquer, avant que moulimo santo ya kolobela o esprit adoption, l'élo nandimi ke, moutou moko a recevoir esprit adoption, par obonde la, moulimo santo pe sae, esprit wana pour que abe bisate. Alors prophète Joël, vie yaba généraux, ils allaient exposer ma kasi mingi na nini na ya makamba malam tope na makamba mabe. En quoi est-ce que... Ah, on m'a demandé d'interpréter pour les amis qui nous suivent. En quoi est-ce que la vie des généraux est-elle exposée? En bien, dans le bien ou en mal? On ne reconnaît pas un général par la beauté de ses galons, mais par la laideur de ses cicatrices. Je pensais que quelqu'un allait acclamer. On ne reconnaît pas la grandeur d'un général par la beauté de ses galons, par la beauté de sa tenue d'officiel, d'officier. Mais lorsqu'il retire ses habits, par la laideur des cicatrices qu'il a eues au combat. Jésus est à la croix, il est flagellé. Il a des clous aux mains et aux pieds. Une couronne d'épines sur la tête. Jésus meurt. Tout est accompli. Jésus ressuscite. Jésus précède. Il dit à ses disciples qui va les rencontrer. Il arrive à la maison. L'exemple de Thomas, il dit, regarde. Il y a des cicatrices ici. Et là. Et même ici. Un esprit n'est pas comme ça. Regarde, touche. Mets même ton doigt à l'intérieur. Pour
pourquoi Jésus ressuscité avait un corps invisible et invincible et même transparent qui traversait les murs et les portes, qui s'est téléporté d'un lieu à un autre. Jésus est apparu d'un coup à plus de 400, plus de 500 disciples d'un coup. C'était donc Jésus est ici, là-bas, là-bas, c'est terrible. Mais pourquoi ce corps glorieux et si puissant a gardé des cicatrices? Avance, prophète. Avance, prophète. Élevé, glorifié à la droite du Père, n'avait des cicatrices. Pourquoi des cicatrices? Parce que les cicatrices sont la seule preuve que tu es passé par la croix. C'est vrai. Tu es grand homme de Dieu. Lève un peu la tunique, on regarde si tu as des cicatrices. Amen. Tu imposes aux gens les mains, c'est bien. Ouvre un peu tes mains qu'on voit si tu as des cicatrices. Je n'honore pas les hommes de Dieu qui sont sans tâche dans le ministère. Tout celui qui entre dans un lieu de mécanique aura de l'huile sur lui. Avance, prophète. Tout celui qui entre là où les mamans préparent avec les mbaboula, avec les quoi? Avec les morceaux du bois, les conis, auront l'odeur de la fumée sur eux. Si tu es un homme de Dieu, il n'y a pas de traces sur toi, tu n'es pas allé au combat. Tu étais resté à la maison sur Internet. Quand vous parlez de cicatrices, c'est quoi? C'est-à-dire, cet homme doit être passé par des épreuves. On ne nomme pas un général pour être général. Il a commencé d'abord au bas de l'échelle. Il montait étape après étape jusqu'à ce que la nation décide de le promouvoir à un niveau où il est digne d'être à la tête de toute une armée. Ok, il a combattu. Il a eu un parcours, il a eu un chemin. Aujourd'hui je vois un jeune garçon, frère en Christ, il prophétise un peu. Il fête ses 25 ans d'âge et on écrit, nous saluons le général de Dieu, la légende. Tu es légende de quoi? C'est un politesse charismatique qui est entré. Nous-mêmes, on a peur de se faire appeler général. On regarde les papas, on tremble devant eux comme ça. À l'occasion de quoi? Quelqu'un qui vient un peu de commencer le ministère prophétique, il organise l'école des prophètes. On l'appelle daddy. Lorsque Joe Grass fait des écoles des prophètes, tu ne payes pas $50 pour assister. Écoutez ce qu'un père enseigne. Ah, les vieux là déjà enseigné. Moi je fais mon programme à Kinshasa. Nous sommes les pères du mouvement prophétique. Nous sommes les pères de la francophonie maintenant, de le mouvement prophétique. Prophète Joe Grass, moi et prophète Jean-Marie Demoreau, quelques autres amis. Nous sommes les pères. Actuellement nous sommes les pères. Mais vous allez voir quelqu'un, tu viens à peine de commencer. Au contraire, tu contredis ce que les pères disent en public. Athée bien tel, il n'a pas bien prêché. On ne corrige jamais un père en public. Ça n'existe pas. Il faut laisser un père de son niveau le corriger. On appelle ça le protocole ministériel. Ok. Tu ne peux pas être enfant, tu reproches à ton père, ça n'existe pas. C'est un ami de ton père qui doit parler à ton père. Tu n'as pas l'autorité de le parler. Oui. Alors dans tout ça, prophète Joël Francis, pourquoi on doit faire un problème si les généraux s'en vont? Parce que naître, on naît, on meurt. Si Dieu rappelle ses serviteurs. Il a rappelé. Il a rappelé. Nous faisons pas. Où est le mystère dedans? Ouais. Où est le mystère dedans? Exactement. Pourquoi toutes ces questions? Parce qu'un homme de Dieu n'est pas un homme ordinaire. Un homme de Dieu n'est pas un homme ordinaire. Sa naissance n'est pas ordinaire. Voilà pourquoi il faut qu'on célèbre bien les anniversaires des hommes de Dieu. Je dis pas à cause de moi. Parce que la naissance d'un vase communicant, c'est le jour où Dieu s'est souvenu de toute une génération. Dieu nous a fait grâce que cet homme naisse, que cette femme naisse. Si elle n'était pas née, elle n'était pas née. On doit bénir les parents des vases communicants. Ce n'est pas quelque chose à prendre comme ça à la légère. Non, la naissance et la mort d'un oint, un vase communicant, sont des choses très prophétiques. Sa naissance a ouvert la porte à quelque chose. Et sa mort ferme la porte à quelque chose et crée quelque chose. J'aimerais vous dire quelque chose ici de très fort. D'accord. Je le partageais avec le pasteur Moïse Mbié ce matin au téléphone. Je l'ai dit parce qu'il me disait, tu sais, papa est mort. Quand on voit le père, maintenant c'est la relève. C'est toi. J'ai dit, non, c'est pas toi, c'est aussi toi. Et pendant qu'on parlait, je lui ai dit, tu sais, quand un oint de Dieu, vase communicant, meurt, il y a un principe clair dans la personne de Jésus-Christ. Lorsque Jésus est mort, le grand vase communicant, lorsqu'il est mort, il a été enterré. Lorsqu'il est ressuscité, parce qu'il était dans le ministère comme étant fils unique. Mais quand Jésus est ressuscité, il n'était plus le fils unique. Parce que Jésus n'est plus le fils unique de Dieu.
Jésus est devenu le premier-né d'une nouvelle espèce de tous ceux qui s'appellent aussi fils. Ce qui revient à dire, lorsqu'un oint de Dieu vaste communicant meurt et qu'il est enterré, son ensevelissement est un signe prophétique qu'une nouvelle génération à la même espèce que lui est en train de naître. Lorsque Billy Graham est mort, on a su qu'il y a un nouveau mouvement d'évangélisation et des évangélistes qui vont naître. Lorsque Maman Olang et Papa Olang sont morts, on a su en esprit que comme ils sont partis, il y a plusieurs papas et Maman Olang qui vont naître après ça. Lorsqu'on sème une seule semence d'arachide, on moissonne des dizaines et des centaines d'arachides après ça. Le départ d'un oint est le signe qu'une émergence de ceux de la même espèce que lui est en train de vouloir prendre forme. Papa Emmanuel Mbillé a fait un travail d'implantation d'église. Il a donné naissance à plusieurs, les apôtres comme Capepula, Père Spirituel, Pasteur Marcelo, tous ceux-là sont sortis de ce mouvement-là. La plupart, des fois on parle d'Adinaba là seulement, mais pourtant de l'autre côté, c'est l'un des hommes qui a fait un plus grand travail au Congo et même à Kinshasa. Mais des fois on tire un peu l'histoire du côté de l'école d'Adinaba là, parce que bon, quand l'histoire est écrite par, comme on dit pour les Africains, par le chasseur, l'histoire de la chasse va profiter à celui qui a chassé. Vous voyez un peu? Et pourtant, c'est un homme qui a fait un grand travail. C'est par lui qu'on connaît les Bondela, Bondela, les cultes matinaux. Toutes ces choses des prières, et les jeûnes et les prières. On a appris ça de l'école de Bethel. Beaucoup de gens imitent, mais ne savent pas. Ça veut dire qu'il y a maintenant, son œuvre va maintenant entrer dans la phase de la maturité. Un général a appris avec des erreurs. Maintenant, quand ceux qui viennent après viennent, ils viennent pour parfaire le travail. Moïse a sorti, il a emmené, mais Josué a emmené le fruit à maturité. Il les a emmenés à prendre possession de ce que Dieu avait promis de faire à leur père. Ce que les fils font, au fait, c'est de continuer le travail des pères. Donc, quand un père meurt, il faut savoir qu'un coureur a fait la passe. Je suivais sur Instagram tout à l'heure, le docteur Matthew Stevenson a posté la photo de Yong Cho. Il a dit, il y a des manteaux dans l'air. J'ai aimé ça. Il a dit, il y a des manteaux dans l'air. Cet homme était fort dans le church planting, implantation d'église. Il dit, ceux qui peuvent entendre, entendent. Je suis convaincu qu'il y a une grâce pour implanter les églises et la porte des cieux a saisi cela au nom de Jésus. Voilà. C'est vrai, oui. Alors, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas poser la dernière question, Maman Gloria, ta dernière question. Maman Dani. Il n'y a pas de questions sur le réseau. Voilà, peut-être qu'ils vont poser des questions après, il n'y a pas de problème. Sinon, si vous-même, Maman Dani, vous avez une dernière question. Ah, il a tout répondu. Prophète Jonathan, aussi, une question. Voilà, une dernière question, prophète, dernière question, et on va clôturer rapidement parce qu'on a débordé. On entend souvent dire qu'il a fini sa course, il a achevé la mission. En quoi cela se mesure? Je parlerai peut-être de la mesure de Dieu. La mesure des hommes, ça peut être les bâtiments, ça peut être l'argent, ça peut être une grande assemblée, des implantations. Mais la mesure de Dieu, de l'homme qui a tout accompli, quand il a fait son travail, il meurt. Ce n'est pas en fonction de la renommée, de la popularité, mais de la fidélité qu'il a observée dans le mandat qu'il avait reçu lors de son appel. On dit de Jean-Baptiste qu'il sera grand devant Dieu. Il sera grand devant Dieu. Il n'était pas grand devant les hommes, mais grand devant Dieu. Il y a une différence entre être grand devant les hommes et être grand devant Dieu. On mesure le succès du ministère non pas en fonction de la renommée ou de l'argent que l'on a reçu, mais en fonction de la fidélité du mandat que Dieu nous a donné. Et ici, j'aimerais dire alors, on n'a pas le droit de juger un homme de Dieu s'il meurt. Il y a des personnes, sa mission c'était peut-être juste de faire un petit quelque chose. Et il a réalisé cela. Vous vous restez sur toute autre chose qui s'est passée. Est-ce que je peux choquer quelqu'un ici? Est-ce que vous savez que Samson avait fini sa mission? Avance, prophète. Avance, prophète.
Est-ce que vous savez que Samson avait fini sa mission? Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu peut utiliser les erreurs d'un homme de Dieu que lui-même a eu à faire pour passer au travers et accomplir son plan parfait. Est-ce que je peux dire quelque chose? Jacob se marie après 7 ans. Il part avec Léa. Tout le monde dira, voilà, il a des enfants avec telle femme. Il a aussi des enfants avec telle autre femme, n'est-ce pas? C'est quel chef de famille? Il a des enfants ici et des enfants là-bas. Mais tous les enfants qu'il a eus, la bonne partie ont été à 12. Rachel n'allait pas lui donner 12 enfants. Léa seule n'allait pas lui donner 12 enfants. C'est les erreurs de Rachel et Léa qui l'ont donné 12 enfants. Voilà pourquoi les 12 sont les pierres qui bâtissent la nation d'Israël. Élie a établi 12 pierres avant d'invoquer le feu. Au Jourdain, avec Josué, on devait mettre 12 pierres. Jésus est venu, il a choisi 12 apôtres. Au ciel, il y a 24 vierges. Est-ce que je peux avancer? Les 12 devaient avoir lieu. Mais quelque chose que l'homme a fait dans ses erreurs, on peut dire erreur, Dieu a profité par là pour accomplir son plan. Deuxième exemple. Jonas a fui Dieu. Il est allé à Tarsis. Vous savez que Dieu a utilisé ça? On dit, Jésus, donne-nous un signe pour qu'on sache que ce que tu dis c'est vrai. Il dit, je vous donnerai le signe de Jonas. De la même manière, Karabacha, de la même manière que Jonas a été dans le ventre du poisson 3 jours, il faudra que le Fils de Dieu passe aussi 3 jours. Et pourtant c'était une erreur. Mais l'erreur de Jonas est devenue la prédication de Jésus. L'erreur de Jonas est devenue la prophétie de Jésus. Ce qu'on appelle erreur n'est pas toujours erreur devant Dieu. L'homme a mal fait, oui, mais Dieu peut changer le mal en bien pour apporter une leçon au corps du Christ. Samson n'avait plus de yeux. S'il devait encore vivre longtemps, il allait tuer combien de Philistins? Dieu a dit, ok, on va faire la dernière frappe. On va réduire les années en un coup. Quand on l'a emmené dans le temple de Dagon, il a dit à cet enfant, emmène-moi devant les colonnes. Là-bas, Shabradassé. Il a touché de la main gauche et de la main droite. Il dit, Père, que l'ange qui m'a fait visiter revienne encore. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore. La force qui m'avait visité revienne encore. Revienne encore. Revienne encore. Revienne encore. Revienne encore. Revienne encore. Il a dit que la force là revienne encore une fois. Lorsque le temple s'est écroulé, en ce jour-là, Samson a tué plus de Philistins que durant toute sa vie. S'il devait les tuer, il allait avoir besoin de combien d'années pour les anéantir en un coup. Mais ce jour-là, et les princes des Philistins, et les commissionnaires, et Delilah, et les ennemis, et les prêtres de Dagon, tous sont morts. Dieu peut utiliser les erreurs d'un homme de Dieu pour accomplir quelque chose que les autres ne vont pas comprendre. Voilà pourquoi ne parlez pas des erreurs des pères. Les erreurs de pères sont des leçons pour les fils, mais seulement pour les sages. Parce qu'il y a un principe qui dit, l'homme intelligent apprend de ses propres erreurs, mais le sage apprend des erreurs des autres. L'intelligent veut faire des erreurs pour dire que j'ai une leçon, mais le sage gagne du temps. Il n'a pas besoin de faire l'erreur. Il regarde les erreurs des autres et il se dit, ces choses qui ont été écrites doivent nous servir d'exemple. 1 Corinthiens chapitre 11. Dans matière d'erreur, il n'y a pas d'erreur. Tout ce qui est erreur peut être utilisé par Dieu. Parce que l'erreur des frères de Joseph de le vendre a servi à les sauver demain. Ils ont vendu par jalousie, mais la jalousie a servi à les sauver demain. Que Dieu vous bénisse. Amen. La dernière question, prophète, c'est une question qui a d'autres parties.
En fait, on parle du fait que les généraux s'en vont. Mais on peut aussi remarquer qu'il n'y a pas que le fait, il n'y a pas que la décision souveraine de Dieu qui prenne ces généraux, mais il y a aussi parfois quelques manques de notre part, de la part de l'Église, qui ne savent pas conserver ces généraux et qui font en sorte que ces généraux partent tôt. Alors, la question est celle-ci, pour les généraux que nous avons encore actuellement, comment nous devons maintenant vivre avec, comment vivre avec les généraux de votre génération? Déjà, comment, peut-être on peut les reconnaître, mais comment vivre avec eux, les préserver, les garder, parce qu'ils représentent des colonnes pour l'Église actuelle de votre génération? Il faut vivre avec eux comme si c'était le dernier jour. Très, très bien. Ouais. Il faut vivre avec les généraux comme si c'était le dernier jour. C'est-à-dire? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont partir. À chaque fois qu'on a l'occasion de parler d'eux, ou de les voir, ou de les rencontrer, on vit avec eux comme si c'était la dernière fois. On ne se dit pas que je le verrai demain pour l'apporter l'offrande. Là, on l'apporte l'offrande. Bishop Albert, une fois, il m'a invité à son programme qu'on appelle RACH. À l'époque, à Lemba. Il m'envoie l'invitation et à un autre de ma génération, les invitations. C'est le pasteur Blaise Toko qui devait me faire parvenir l'information, mais il ne m'avait pas dit. Alors, je n'étais pas allé. Un de mes frères aussi n'était pas allé. Il était très fâché contre moi. Joël, vraiment, je l'ai invité, n'est pas venu. Je ne savais pas, au fait, je n'étais pas au courant. J'étais hors du pays, je suis revenu. J'ai dit, je vais voir Bishop Albert. Je suis allé s'alimenter. J'ai commencé à partir de là où j'étais descendu, jusque là où il était à genoux. J'ai avancé sur mes genoux, jusque là où, parce que je savais que papa n'était pas content avec moi. Il ne savait pas, au fait. Mais sa colère, déjà, n'est pas bonne pour moi. Sa colère n'est pas. Aujourd'hui, un père peut se fâcher à Silikane Kuna, au papa Silikela Kingai. Si tu es fils, tu dois avoir un jour où papa t'a frappé. Tu dois avoir subi la honte en public d'un père qui est le tien, qui t'a humilié en public. Sinon, tu n'es pas un fils. Les jeunes, ils disent, ah, Badeza, a humilié nga, na longue église. Parce que moi aussi, je suis père des enfants. On ne peut pas m'humilier en tant que, écoute-moi, si les enfants s'agenouillent devant toi et que tu n'as personne devant qui t'agenouiller, on va t'adorer. Si tes enfants peuvent se soumettre à toi, mais ils t'ont jamais vu te soumettre à quelqu'un, ils vont commencer à te vénérer. Moi je suis là, les enfants me connaissent, papa, ils sont à genoux, papa. Mais quand ils me voient devant un père, je me mets à genoux pour honorer le père. Et ils se disent, on peut être redevable à quelqu'un qui est redevable à quelqu'un d'autre. Okay. C'est comme ça que ça se passe, oui, dans le royaume. Qu'est-ce que je disais ici? On doit vivre. Et ce jour-là, je suis allé à genoux jusque là où il était. Il dit, c'est pas grave, lève-toi. Papa, mon offrande. Papa, pardonne-moi. Vous m'avez invité, mais je n'étais pas parti. Je ne me suis même pas justifié. Oh, on ne m'avait pas dit. Non. Quand on demande pardon, on n'a pas besoin de se justifier. Parce que ce n'est pas devant lui que je fais, c'est devant Dieu. Il dit, papa, pardonne-moi, je n'étais pas venu. J'avais très mal fait. Pardonnez-moi. Il dit, c'est d'accord. Et jusqu'aujourd'hui, si j'appelle Bishop Albert, il me prendra. Je ne suis pas de son église, mais c'est un père et une colonne. Ce que je veux dire, c'est ceci. Vivez avec les pères comme si c'était la dernière fois. Tu vois ton père, tu ne lui poses aucune question. Tu vois ton père, tu ne demandes aucune prière. Parce qu'il est là, il sera toujours là. Il ne sera pas toujours là. Dieu est en train de prendre nos pères et il peut le prendre n'importe quand et n'importe où. C'est à nous de maximiser. J'ai rencontré le docteur Miles Monroe au Burundi. J'ai tout fait pour être au Burundi. Non, j'étais au Burundi à l'époque et je l'ai vu, il a prié pour moi. Mais je ne savais pas. Il allait aller au Gabon et allait mourir. Je l'ai rencontré à la fin de sa vie. Il a béni et il a prophétisé pour moi. Vous ne savez jamais quand est-ce que Dieu prendra son oint. Les morts des oints sont aussi des mystères. Alors tant qu'on est avec eux, on doit vivre avec eux comme si c'était le dernier jour. Voilà, c'est d'ailleurs la conclusion d'aujourd'hui. Je pense qu'on peut acclamer bien fort. Merci prophète. Merci Mama Gloria. Merci pasteur Danny. Merci prophète Jonathan. Je sais qu'il y a encore des questions peut-être qui sont restées en suspens. Je vois pasteur Danny, maman Gloria en train de... Voilà. Ce n'est que partie remise. Mais au moins, il y aura la deuxième partie qui va venir. Mais au moins, on a bien introduit le sujet. Merci, homme de Dieu. Mais juste un petit mot comme ça, juste vraiment pour clôturer aujourd'hui, prophète. Papa, nous sommes sur Facebook 1217, sur YouTube 540. On peut acclamer très fort pour tous ceux qui sont là et pour vous-même aussi d'avoir été là ce soir.
Un petit mot, papa. Lorsqu'une dispensation maintenant prend fin et qu'une autre commence, la nouvelle dispensation emmène une nouvelle révélation de Dieu. Mais entre les deux dispensations, il y a une phase prophétique qu'on appelle la transition. Et j'aimerais dire à l'église que nous sommes vraiment dans la période charnière entre une saison et une nouvelle saison. Nous sommes en transition. Les pères s'en vont. J'aimerais dire quelque chose, et je crois que tous les enfants de Dieu qui me suivent, qui ont le Saint-Esprit en eux, seront d'accord avec moi. Je vais dire en ce moment une phrase, une déclaration. Ceux qui ont le Saint-Esprit en eux ici, ils vont être d'accord avec ce que je dis. Je vous pose une question. Tenez-vous prêts pour ceux qui sont sur Internet ou même ici, tenez-vous prêts à écouter ce que j'ai à dire. C'est la plus importante de tout ce que j'ai à dire depuis le début, plus de toi. Ne remarquez-vous pas, sur le plan international, malgré les églises qui grandissent, les croisades qui se font, les hommes de Dieu qui sont connus, ne remarquez-vous pas que l'église est en train de stagner? Soyez sincère avec moi. Oui. Regardez depuis le Canada, États-Unis, Europe, Asie, même Afrique. On a des grandes églises ici, des pasteurs qui font des actions dans les places publiques, Internet, réseaux sociaux. Les miracles se font. Mais tous ceux qui m'entendent maintenant, vous serez témoins avec moi. Nous tous ici, nous sentons qu'il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Et beaucoup d'hommes de Dieu, ils se disent, mais je sens pas, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas toi. Il y a un blocage sur le plan global. Deuxième déclaration que j'aimerais faire. Le mouvement prophétique est fini. Oh. Le mouvement prophétique est fini depuis plusieurs années. Je peux aller? Avance, prophétique. Le mouvement prophétique est fini il y a de cela quelques années. Je ne donnerai pas la date exacte. La preuve, il y a beaucoup de prophètes qui prophétisent avec précision. Mais nous tous, nous savons, nous ne sentons plus quelque chose à l'intérieur des prophéties. C'est vrai. C'est la vérité. C'est vrai, c'est la nous vérité. Allons à Kinshasa ici, même à la porte des cieux, ou ailleurs, dans les réunions des autres prophètes. Soyez sincères avec moi. Il y a des précisions, il y a la prophétie. Mais il y a comme un jus. C'est la oui. vérité. Il y a comme quelque chose qui nous manque. Je peux même... Pardon? Il y a quelques jours, hein? Nous, est-ce que ce que je dis c'est vrai? Il y a quelque chose qui manque. Il y a des prophéties avec précision. Il y a des miracles. Le mouvement prophétique est fini il y a quelques années. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qui se passe? Aha. Le robinet est fermé, mais c'est l'eau qui continue à couler. Oh. Je vous parle comme prophète des nations. Avance, prophète. Le mouvement prophétique a pris fin il y a quelques années. Tout ce qu'on vit, c'est juste les quelques gouttes d'eau qui tombent. Mais le robinet, Dieu l'a déjà fermé. Voilà pourquoi on a raté d'écouter Dieu pour le COVID-19. Okay. Voilà pourquoi aux États-Unis, les prophètes les plus crédibles ont raté l'élection de Donald Trump. Okay. Voilà pourquoi on a tous dit que COVID s'est terminé l'année passée, mais on est encore en COVID-19. Qu'est-ce qui a fait que nous avons tous l'esprit de la prophétie, mais nous les grands prophètes, on n'a pas vu venir quelque chose? Parce que le vent prophétique est fini. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un autre vent prophétique qui va arriver. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Il y a Obashabradabassé. Il y a un nouveau vent prophétique qui arrive. Le problème n'est pas le vin, le problème ce sont les outres. Est-ce que les outres sont là? Est-ce que les outres sont là? Le problème ce n'est pas Dieu. Il a fait quelque chose dans un temps, c'est fini. Nous vivons les dernières manifestations du prophétique. Allez partout. Les gens ne sont plus beaucoup intéressés aux prophéties avec précision. C'est la vérité.
Même les réunions des grands prophètes avec prophétie, vous allez voir que les gens vont commencer à diminuer. C'est pas la faute des prophètes, mais c'est parce que le mouvement est déjà fini, était déjà fini. La vague s'est levée, la vague est tombée sur le rivage et l'eau va se terminer. Mais ce que j'aime, entre l'eau qui coule sur le rivage et une nouvelle vague qui vient, on entend un bruit. Ah! Voilà pourquoi David a dit, un flot attire un autre flot au bruit de tes ondées. La vague prophétique dans laquelle nous sommes là, c'est la vague de Uber Angel là, est montée un peu. Nous sommes déjà à la fin. Tous ceux qui sont là sont d'accord avec moi. Il est difficile d'écouter Dieu aujourd'hui. Ok. Oui, même les vrais prophètes, ils sentent qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est pas toi. Parce que le mouvement là, l'eau sur le rivage est en train de sécher. Ok. Mais écoutez bien, il y a le bruit qui annonce une vague plus grande, Kadabasha, plus puissante, plus impétueuse, plus violente, plus grande que la précédente. Parce que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Et le bruit, c'est un signe. J'entends le bruit qui annonce. Papa Jaco, Pasteur Danny, Maman Africa, Prophète Jonathan, Église de la Francophonie, écoutez-moi. Écoutez. Il y a des bruits qui annoncent qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a des bruits qui annoncent. Quand l'église stagne, il y a quelque chose qui va sortir. La plupart des grands généraux de Dieu de la Bible sont nés des femmes stériles. Stérile pendant un moment. On ne dit pas Satan. On dit Anne que Dieu avait rendu stérile. C'est Dieu qui a rendu l'église stérile. C'est Dieu qui a rendu la maman de Samson stérile. C'est Dieu qui a rendu la Bacha Bradabasa, la maman de Jean-Baptiste stérile. C'est Dieu qui a rendu Sarah stérile. C'est Dieu. Abraham n'était pas stérile. C'est Sarah qui était stérile. Parce que la femme symbolise l'église. Cette stagnation-là, c'est Dieu qui l'a créée. Parce que Dieu prépare en secret quelque chose. Les 400 ans de silence se terminaient. Pendant les 400 ans, Gabriel est apparu à Zacharie. C'était pendant les 400 ans. Laisse-moi vous dire. Pendant qu'il y a la sécheresse, Dieu fait des choses en secret. Il y a des Siméons qui ont eu des promesses que l'enfant viendra. Il y a des Anne la prophétesse qui prie parce qu'elle sent que quelque chose arrive. J'aimerais dire à l'église, cette stagnation vient de Dieu. C'est pour nous pousser à l'humilité. C'est pour nous pousser à revenir à genoux. C'est pour nous pousser à chercher notre dimension. C'est pour nous pousser à nous réadapter à la fréquence. C'est pour nous pousser à nous connecter à la vague et à recevoir le manteau de Père. Et ce soir, alors qu'on clôture, j'aimerais parler à des outres neuves. Renouvelle tes pensées. Renouvelle ta vie de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Renouvelle ta manière de servir. Renouvelle les alliances avec le Père. Rends tout nouveau. Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau qui est sur le point d'arriver. Et la nouveauté arrive. Ainsi a parlé l'Éternel des armées. Acclame pour le Seigneur. On va continuer avec la suite. Acclame. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Est-ce qu'on peut commencer à prier? Nous nous connectons à la grâce qui est en ce lieu. Lève la voix, commence à prier. Commence à prier. Tu chercheras la prophétie, tu ne l'auras pas. Dieu n'est pas égoïste. Dieu te pousse seulement à le chercher. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier ici? Le mouvement prophétique est déjà fini. Ce que nous vivons, ce sont les dernières heures de ce mouvement. Une nouvelle vague arrive, un nouveau vent arrive. Est-ce que quelqu'un peut se jeter devant l'autel et commencer à parler à Dieu? Oh mon Dieu, il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a quelque chose qui se passe ici. Est-ce que quelqu'un peut chercher Dieu? Vous êtes en direct sur Power Channel, Facebook et YouTube. C'est le temps de chercher Dieu.
C'est Dieu qui a fermé le robinet. C'est Dieu qui a rendu ces femmes stériles pour que nous puissions les chercher comme Anne, comme des malades, comme des fous devant l'autel. Recherchez le Dieu de nos pères. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Même ceux qui me suivent en Europe, en Afrique, aux États-Unis, il y a une grande mouvance de l'esprit en ces lieux. Est-ce que quelqu'un peut chercher Dieu? Il est temps de chercher Dieu. Ne cherche pas la prophétie. Ne cherche pas les miracles. Ne cherche pas la croissance de l'église. Il est temps de chercher Dieu. Chaque sécheresse est un appel à la recherche de Dieu. Gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Aïe, 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 aïe. Ce message n'est pas à tout le monde. Cette prophétie n'est pas à tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut entendre la voix prophétique ce soir? Les fils d'Issachar savent lire les temps et les époques, les temps et les saisons. Marabashakabayara, abaya. You are Abba, Father, Abba. You are Abba, Father, Abba. You are Abba, Father, Abba. You are Yahweh, Yahweh, Yahweh. You are Yahweh, Yahweh, Yahweh. Abba, Father. Exaucé, me voici dans le secret. Touche-moi. L'obina comme un ami se bat pas que la naï. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Le besoin maintenant, c'est la prière. C'est un appel à chercher Dieu. Brise-moi, délivre-moi dans le secret, secret. Emprends-moi dans le secret, secret. Délivre-moi dans le secret, secret. Oui, transforme-moi dans le secret, secret. Change-moi dans le secret. Aïe, oh oui, transforme-moi. Unipakale mafuta e parado. Unipakale mafuta. Oh oui, pakola mafuta dans le secret. Pakola mafuta. Oh oui, pakola mafuta dans le secret. Pakola mafuta. Oh oui, je juré pour la conquête. Unipakale mafuta. Oh oui. Oh oui, on n'y pas qu'à les mafouta, et pareil, on n'y pas qu'à les mafouta.
batoe uni pakale mafuta lobi bakomo na ngali boso ya jezabe uni pakale mafuta lobi goliate akotele mali boso na nga uni pakale mafuta demain je serai pour la conquête uni pakale mafuta Pakale mafuta dans le secret. Uni pakale mafuta. Est-ce qu'on peut s'humilier devant Dieu, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut tous être à genoux devant Dieu? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut tous se mettre à genoux devant Dieu en signe d'humilité? Lors de la transition, Dieu désire se révéler autrement. Une nouvelle dispensation arrive. Une nouvelle révélation de Dieu arrive. Avant qu'elle n'arrive, il y a des hommes qui doivent la voir. Avant qu'elle n'arrive, il faut que des hommes puissent la capter. Avant qu'elle n'arrive, il faut que l'élite puisse la comprendre. Humilions-nous, même les protocoles, humilions-nous devant Dieu. Come on. Come on, come on. Come on. Come on. Pendant 60 secondes, lève la voix et prie, lève la voix et prie. 60 secondes, prie, 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 prie. Tu es en direct, prie, tu es ici, prie. Prions le Seigneur. De la même note. L'ange qui nous a visités revient encore, encore une fois. Il avait pour mission de ramener le cœur des enfants de Dieu vers leur père. Tu avais promis dans Malachie, et il y reviendra encore une fois. Encore une fois. Tu avais pour mission de ramener le cœur des enfants de Dieu vers leur père. Piano. Tu avais promis dans Malachie.